lascia mai. Io sono quella che ti vizia, sono la montagna, la tovaglia, la delizia e l'innamorata. Io sono quella che ti cura, sono la tua dieta, la parte dei tuoi sogni che tu fai per me. Io sono il sole che ti scalda, l'acqua che ti bagna, la tristezza, l'amarezza, sola senza te. Sono in fondo la tua chiave che tu giri a vuoto per entrare nell'intimo dei miei segreti. Tu per me sei un problema prelibato o proibito, tu sei la mia vita. Ci stai, non ti addormenti mai, in fondo sono la tua ombra, l'allegria di te. Senza di te io non lo so in quale parte sto, se dentro un cuore grande, cuore di un amante. Tu sei il dolce, il mio digiuno, l'uomo mio perfetto, la bevanda preferita, il gusto prediletto. Tu sei il chiaro dei miei occhi, sei la mia conquista, la tristezza che mi resta senza una richiesta. Sei l'amore che alimenta la mia fantasia, sei il sogno, la mia festa e la mia allegria. Tu per me sei un problema prelibato o proibito, tu sei la mia vita. C'est une amie exquise, formidable. Alors si tu... Elle vous fait si passer dans voyez... ses émissions, oui. Oh, je suis déjà passée dans ses émissions, mais 4 heures. 4 heures aussi d'émissions avec des jeux et tout ce qu'elle fait. Puis elle chante, elle danse, elle anime. Et elle aime son métier aussi avec passion. Alors il paraît qu'en Italie, ce qui n'a rien à voir avec la France, c'est la bagarre entre les chaînes. Pas ici. Ah non. Pas du tout. Enfin, moi, je ne m'en aperçois pas. Ah, d'accord. Ouais. Bon, en Italie, il y a un petit peu de bataille. Oui, un petit peu. Mais, vous avez beaucoup changé de chaîne, non? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Seulement une fois. Une fois, d'accord. Oui. Mais c'était la bonne, hein. Bon, j'espère, ce qu'on m'a dit. Parce qu'on va commencer l'émission le 9 de janvier. Et j'espère d'avoir Mireille dans mon émission. Mais c'est un contrat d'amitié, je dis. Parce que je l'admire beaucoup. Mais on fait une compétition que je crois que c'est, soit juste, dans le sens que tu vas mettre plus que tu plus que tu peux. Merci beaucoup. Ça fait beaucoup de temps que je ne viens pas. Non, mais ça va très bien. Non, merci. Tu parles bien français, ne t'inquiète pas. Quand ils sont gentils, hein, c'est bien comme ça. Et... C'est comme ça qu'on commence, les Français. Ah oui, après, parfois ça se gâte, mais enfin. Et alors, tu cherches de faire un programme plutôt bien fait, professionnel, mais en même temps humain. Je crois beaucoup qu'aujourd'hui, la télévision doit être vraiment l'objectif qui entre dans tes yeux, dans ton âme, et cherche de
découvrir ta réelle personnalité. Lorsque vous présentez une émission, vous racontez tout ça aussi à vos spectateurs? Non, je fais des questions... Oui. C'est elle qui pose des questions. Ah, oui, elle fait tout, alors. Non, je fais tout. Ouais. Je suis bien supportée, hein. Ouais. Oui, de toute façon. Beaucoup de monde, beaucoup de danseurs, beaucoup de... Beaucoup de, d'auteurs, beaucoup... bien, une équipe de gens qui travaillent très bien. Mais de toute façon, je fais des questions gentilles. Ouais. Mais de temps en temps, j'ai la chance d'avoir un petit peu de réalité de personnages que j'ai devant. Alors, posez une question difficile à Mireille Mathieu. Mais la alors, plus difficile. C'est une émission très longue. Je n'ai pas suivi toute l'émission. Ouais. Mais est-ce que vous avez, lui, fait cette question? Tu as des regrets déjà fait? Oui. Non, elle m'a pas posé cette question, mais comme la chanson, je dirais non, je ne regrette rien. Ouais. C'est un peu facile comme oui, c'est réponse. Vrai que c'est très facile, mais je n'ai pas de regrets. Je ferai exactement les mêmes choses, les mêmes bêtises. C'est qu'après, quand. C'est vrai, on peut faire des bêtises. Non, on fait des erreurs. Elle n'en fait pas assez de bêtises. Je lui reproche, elle n'en fait pas assez. Si, mais peut-être je ne le dis pas, Jacques, c'est pour cela. Je ne me connais pas. Ça doit être du joli. Mais quand on fait des erreurs, bon, et c'est quand, après ça, on apprécie les bonnes choses. Maintenant, je vais vous offrir quelque chose de rare, Raphaëlla. Je suis ravie de ça. Bon,